rôle des artistes est fondamental dans les changements sociaux, dans le respect des droits humains, dans l'invitation à l'esprit de critique, etc. Et je crois que chaque artiste joue à sa manière sa partition. Tout le monde n'a pas la chance, comme je dis toujours, d'avoir un micro devant soi pour s'exprimer aussi devant un public. Alors quand on a cette chance-là, il faut savoir parler pour la communauté, pour la masse qu'il y a derrière. 1, 2, 3, votez pour moi, sur la croix, je serai droit. 4, 5, 6, plus de justice, je punirai tous mes complices. 7, 8, 9, remets tout à neuf, je promets, même si c'est du bluff. 10, 11, 12, avant qu'on en découse, je vous mets tous dans la bouche. La situation de mon pays, comme dans d'autres pays d'ailleurs du continent africain, interpelle surtout lorsque vous voyez les souffrances que vivent les populations. Donc forcément, ça nourrit la création, forcément, ça imbibe nos textes. Nos textes sont imbibés des réalités que nous vivons. Ça serait la même chose si nous vivions en Occident, ou en Arabie ou ailleurs, ou en Asie. Je crois que nous sommes un peu comme un tampon. Les artistes sont comme des tampons, comme des éponges qui absorbent un peu tout ce qu'il y a autour d'eux. Et effectivement, c'est d'où le côté politique de certains de mes messages. Le fait qu'il y a pas mal de situations dans mes textes où je déplore les questions politiques qui sont souvent, malheureusement, les solutions et les causes profondes de nos malheurs. Partager des émotions, partager un moment de plaisir avec le public, c'est cela l'essentiel. Que ce soit dans un institut ou que ce soit dans un quartier populaire ou que ce soit sur le toit d'une ambassade, si on peut interpeller les uns et les autres. Parce que moi, c'est pas parce que je joue dans un espace jonché d'autorité que je me prive de l'esprit critique, là non. Bien au contraire, ceux qui me connaissent savent que lorsque je suis en face des huiles, je mets de l'huile aussi. Tout en priant le ciel que madame, j'ai cru les lèvres, Elisabeth et j'en passe, ou Fatimata, ne lui fasse pas des misères. Et c'est jamais gagné, mais le jour d'après ça recommence. Alors là, vous faites un dessin, donc vous allez nous accompagner, mais je ne sais pas, ça fait un truc comme ça. Tous les jours, tu me dis, si je suis bien passé. Tous les jours, tu me dis, si je suis bien passé. Je suis bien passé. Si je suis bien passé, je dis, je suis bien passé. Vous l'aurez compris, je suis bien. C'est ça. Pour un jour, tu me dis, je suis bien en pensant. Nos gouvernements ne prennent pas assez compte de l'importance de financer leur culture. Et heureusement qu'il y a d'autres alternatives comme l'Institut français, l'Institut Goethe, comme tout autre partenaire qui quand même essaye d'accompagner les créateurs. Donc c'est déjà une bonne chose. Une dernière couleur. Hein? Tu dis quoi? Une dernière couleur. Une dernière couleur. Une dernière couleur. Ah, une dernière couleur. C'est une bonne chanson. Mais on fait quoi là? Une dernière. Hein? Pourquoi? Une dernière. Ah, moi je suis prêt à rester ici. Hein? Quand on a ses pieds. Ah, mais bon, c'est ça que tu veux voir, mon frère. Alors, c'est gâté, si on rentre dans l'air. C'est à gâteau. La fin de la vie. Bon, allez!